Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais pas souvent des vidéos sur les thèmes, mais ce thème m'inspire. Parce que j'ai fait une vidéo, je suis tombée sur le thème et j'ai pu voir un petit peu des trucs qui m'intéressaient. Enfin bon, on va commencer la vidéo. Du coup, merci à toi Alicia pour la salutation. Merci beaucoup, à peine je commence l'enregistrement. Et j'en reçois une salutation, c'est super gentil, merci à toi. Un petit remerciement en direct de la vidéo. Enfin bon, on va aller dans le shopping. Normalement, j'aurais pas trop lagué. Il est 13h, donc... Quoique. Mais bon, j'ai essayé de me connecter en mode je ne dis rien. Je ne suis pas connectée, c'est pas vrai, je ne suis pas là. Et merci encore à toi, Alicia. Je te ferai un très très gros bisou de la vidéo. Merci beaucoup pour ta salutation. Et il est marqué Dark Waters, donc c'est vraiment en lien avec les profondeurs. Et moi, le style là, ça me motive à faire un sort de petit style sirène, ou essayer de faire un feu style avec le thème. Donc ça, on va tout enlever, je crois que ça aussi, ouais, voilà. On est à poil, et franchement, j'hésite à prendre des trucs qui sont en diamant, parce que... Voilà quoi. Ça rentre bien dans le thème. Par contre, les couleurs sont magnifiques et j'ai même pas envie de changer la couleur. Mais je me dis que si je change pas la couleur, bah ça fera... Enfin, c'est pas que ça fera pas beau, mais ce sera trop simple. Enfin, je sais pas, peut-être que tout le monde prendra déjà avec cette couleur-là. Enfin bon, si on regarde un petit peu au niveau du thème... Oh là là, oh, oh là là, oh là là. Je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu, j'avais survolé. Oh non. Ah, c'est juste dommage qu'on voit les jambes. Mais oh là 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 là, oh, c'est magnifique. Même la couleur, elle est magnifique. Mais bon, faut que je change. Faut qu'on trouve un truc. Une sirène dorée, rose. Rose, on dirait un saumon. Je sais pas si je vais mettre rose parce que rose, on va penser que c'est vraiment un saumon qui est sorti de là avec ses chouets de la mer. Lol. Je sais même pas si les saumons c'est dans la mer, mais bon. Oh non, c'est trop beau. Alors attendez, j'hésite. Est-ce qu'on prend en doré, ça va faire genre le poisson doré? Je sais que dans une histoire, ça parle d'un poisson doré qui se fait pêcher et qui exauce le vœu du pêcheur s'il le relâche dans la mer ou un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Ah, franchement, j'hésite parce que franchement, celui de base, il est bien en noir, c'est trop stylé. Oh là là, mais j'ai pas envie de faire parce que tout le monde va le prendre aussi en noir. Bah, de toute façon, je pense que je prendrai en noir, mais pour la vidéo, on va essayer d'innover et prendre une couleur différente. Vert, vert, ça passe aussi, bleu. Violet, non, violet ça fait pas très beau, bleu foncé peut-être. Oh, le bleu là il était pas mal. Ça changera, ça éclaircit un petit peu. Mais ça reste quand même assez simple. Mais bon, sinon je ne sais pas quoi mettre d'autre. Mais wow, 1250 Starcoin, oh là 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 là. Par contre, la coupe là est sympathique aussi et elle coûte pas de diamants. Alors je sais pas, on va voir. Et ça c'est quoi? C'est une couronne? Oui, c'est une couronne. Oh! Femme sirène, femme humaine, j'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu, pourquoi est-ce qu'il croit déjà brûle? Hé, hey, mais faut qu'on fasse Ariel. Oh, attendez. Faut que je me mette sur la page d'à côté. Ariel Disney. Je sais qu'elle est rousse, mais ouais, voilà. On va essayer de faire Ariel. Parce que franchement, la coupe là, ça passe. Regardez la coupe là. On va essayer de reproduire un petit peu la couleur d'Ariel. Ça, ça passe, mais je serais partie sur un truc peut-être. Ouais, peut-être plus comme ça. Oh là là. Et elle a une queue de sirène qui est de couleur verte. Sorte de vert émeraude. On va essayer de reproduire la couleur. Un vert émeraude. On va tester plus comme ça. J'aurais même dit un peu plus clair. Ouais. Comme ça, ça passe. Ouais, vous avez un peu trop flashy. Non, plus comme ça, ou voir comme ça, peut-être même. Ouais, comme ça, ça passe bien. On va voir pour les reflets. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, je sais pas moi, des reflets... Ça fait... Non, peut-être plus gris. On va voir blanc ce que ça donne. Ouais, peut-être blanc. Parce que c'est un Disney, pourquoi pas. Le rose, ça dérange pas. On peut laisser, je pense. Et le bleu, qu'est-ce que ça fait si on le change? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Ah, je crois que c'est le reflet, mais en haut, là. Et si on le met en blanc? Bah écoutez, on va mettre en noir. Pour faire genre effet d'ombre avec sa main. T'as vu, tout ça, tout ça.
Et du coup, bah, je pense que ce qui serait le mieux pour compléter ce look, c'est le petit top. Et pourtant, on n'a pas encore regardé tout le thème. Mais c'est le top qui est juste là, il me semble. Voilà, c'est celui-ci qui compléterait le mieux. Alors elle, je sais pas trop, c'est un sort de bleu-violet, plus violet que bleu. On va essayer de reproduire également la couleur. Bon après, bon, moi je préfère les couleurs unies, c'est-à-dire porter de la même couleur en bas en haut. Mais bon, vu qu'on est en train de reproduire Ariel. Non, c'est plus bleu-violet, ça va plutôt être dans les tons comme ça. Ouais. Peut-être celui-là. Oh, les couleurs chargent pas, c'est nul. Alors ça, on va essayer de mettre un sort de violet également. Et comme ça, ça me paraît correct, même si normalement, je pense qu'on devrait le mettre quand même un tout petit peu plus foncé. Oh, je commence à ramer. Oh là là, catastrophe. Plus peut-être comme ça, ouais, on va assombrir le tout. Ouais, plus comme ça. Même celui-là, je vais changer pour mettre un peu plus foncé. Comme ça, ça va faire trop foncé. Ouais, comme ça, c'est bien. Et le rose, est-ce qu'on fait en blanc pour faire un reflet blanc comme le bas? Ouais, on va mettre du blanc. Voilà. Bah écoutez, je trouve qu'au niveau de la couleur, de toute façon, je vous mettrai, je pense, une petite image d'Ariel pour que vous puissiez comparer. Je trouve qu'au niveau de la couleur, on est bien. Et là, honnêtement, le look, techniquement, il est fini. Parce que moi, je vois pas qu'elle porte pas vraiment d'accessoires. Vraiment, elle a quoi? Sa queue de sirène, ses petits coquillages sur les boobs, et puis voilà quoi, ses cheveux roux, et puis c'est tout ce qu'elle porte. Elle porte pas d'accessoires, pas de rien. Mais on va checker quand même ce qu'il y a dans le thème, et on validera le look Ariel. Le look Ariel, donc si vous voulez, moi de toute façon je le mettrai en look, enfin je l'aurais créé le look, si vous voulez je l'achetais. Et ben il n'y aura pas de soucis. Bon c'est juste dommage que ça ne masque pas les jambes. Oh, je l'avais pas vu, mais c'est vrai que celui-là il est pas bien, je ne cliquerai pas dessus parce qu'il est pas bien. Je trouve que celui qu'on a actuellement il est mieux. En vrai j'ai un pull comme ça, bon c'est pas un short mais j'en ai un pull je crois avec les trous comme ça, j'en ai un aussi. Ça c'est pas mal, mais vu qu'on fait le look Ariel, alors la fille au début je voulais vous faire un look sirène, mais quand j'ai vu cette coupe de cheveux ça m'a directement fait penser à Ariel. Peut-être que vous aussi, hein, avant même d'avoir vu cette vidéo, et si vous avez vu le shop, le nouveau thème, peut-être que vous aussi vous avez directement pensé à Ariel au moment où vous avez vu cette coupe. Waouh. En tout cas je pense que je ferai plus d'un look avec ce thème. Alors il n'y a pas souvent des thèmes qui m'inspirent, mais alors là celui-là, bah écoutez, moi je valide ce look, je vais créer le look dès à présent. Dès à présent. On va tout acheter, 2300 ça passe encore. Mais bon, en même temps c'est que 3 trucs, hein. Mais le bas quoi, le bas, coûte cher. Pour le look général, je vais juste changer, je sais pas si je dois aller dans la clinique ou j'ai ce qu'il faut, mais il me faudrait des grands yeux bleus. Puisqu'elle a des yeux bleus, les yeux bleus turquois, mais elle a des yeux qui sont assez grands, donc je pense pas que je vais reprendre ses yeux, pourtant c'est mes préférés, mais je pense que le mieux ce serait de prendre les yeux Véron, mais d'une seule couleur, parce que les yeux ils sont assez grands, mais il faudrait que ce soit en une couleur, et écoutez, à moi de prendre ça, je sais pas trop. C'est vrai qu'elle a des grands yeux, donc à la limite, cela, ça passe. Au niveau du nez. On a le petit nez de base. Elle a un petit nez. Ouais, celui-là, il passe. Pour la bouche, elle a une sorte de rose rouge. Celui-là qu'on a déjà actuellement, il passe. Sinon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Non, elle a pas une bouche de knacky. Elle a pas une bouche de knacky, Ariel, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Écoutez, on va lui laisser celui de base. On va mettre OK. Et on va créer le look maintenant. Pour le look, je vous propose que l'on garde les petites paillettes d'argent là. Parce que ça va, je trouve que ça fait bien. Par contre, il faut qu'on lui enlève les chaussures parce que ça le fait pas. On va lui enlever le piercing au nez et puis c'est tout.
Elle a pas d'eyelashes, je crois. Elle a pas d'eyelashes. Mais sinon, ouais, normalement, elle a rien. Je vois rien d'autre sur elle. Le look est bien comme ça. Dans le pire des cas, dans le doute, on lui enlève ça. Non, elle a pas de tatouage, donc c'est bon, on peut lui remettre. Bon, je suis pas super fan de ses yeux, mais pour Ariel, on va lui mettre celui-ci. Hop. Pourquoi j'ai les yeux comme ça sur le look? Je suis pas du tout comme ça. Ça, c'est l'ancien. Ariel, la petite sirène. Voilà, voilà. Donc, ça vous intéresse, le look est dispo. Vous pouvez le prendre, si ça vous dit, bien sûr. On va envoyer pour les votes. Par contre, ouais, c'est vrai, je comprends pas pourquoi ça m'a pas mis mon visage. C'est en plus un visage que j'ai depuis il y a 3 ans en arrière. Mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Ariel, la petite nulle. Ariel, la petite nulle. Bon, j'espère que le look vous aura plu. Moi, je vais certainement faire d'autres looks, mais je pense hors live. Enfin, hors live. Hors vidéo, plutôt. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez bien la chaîne. Voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao! Vivre sur terre, loin de la mer. Partir